Et on change complètement de registre avec ce petit bijou repris au Théâtre du Vieux-Colombier à Paris, c'est 20 000 lieues sous les mers, une adaptation du célèbre roman de Jules Verne, pleine d'invention et de poésie, on la doit à Christian Haeck, sociétaire de la Comédie Française venu du cirque Sébastien Thème. Venez plonger 20 000 lieues sous les mers au Théâtre du Vieux-Colombier à Paris. Pardonnez-moi, monsieur l'officier, mais de quel nom doit-on vous appeler ? Je suis le capitaine Nemo, et vous êtes à bord de mon sous-marin, le Nautilus ! Le roman de Jules Verne est adapté par Christian Haeck et Valérie Le Sor, monsieur et madame à la ville. On n'a pas fait d'enfants, donc on fait des spectacles. Passionné de théâtre et par l'art de la marionnette. Créatif, magnifique. On est sous la mer, on est avec eux, c'est merveilleux. Il y a un complément de savoir-faire. On est ensemble pour l'écriture, on est ensemble pour la mise en scène, mais pour la fabrication des marionnettes, il y a Valérie. Et pour jouer Nemo. Avec Carole Nemo, et puis pour jouer, il y a moi. C'est vraiment presque surréaliste comme spectacle. Les marionnettes, elles étaient belles. En plus, c'est dur de faire la pieuvre. L'idée est venue aussi d'Éric Ruff quand il est arrivé en tant qu'administrateur. Il a demandé aux comédiens si vous avez des spécialités, s'il y a des choses, des passions que vous faites à côté, faites-les venir à la Comédie Française. Donc nous, on a sauté sur l'occasion et, aussi. Et changeons-nous nos spécificités. Très très bien réalisé avec le hublot, les poissons. Je n'avais jamais vu une mise en scène pareille. Tout pareil.